Monsieur Boucher, on fait un échange de terrain, c'est une régularisation rue du Brouhaha. C'est possible de projeter le plan parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, ça arrive. Vous mettez le micro, monsieur ? Oui, pardon. Voilà, donc vous avez le plan là sous les yeux. C'est une régularisation hein, toute simple. Donc vous avez en vert ce que la copropriété va céder à la ville parce que c'est quasiment la route. Et puis il y a une partie assurée qui est là. C'est le contraire, c'est la ville qui le cède à la copropriété puisque c'est à l'intérieur de leur... voilà, c'est une régularisation. Donc ça se passe sans... Enfin, l'échange qui aura lieu moyennant le versement d'une soulte de 1 800 € à verser par la commune à la copropriété Les Grands Prés. Donc ça nous coûtera 1 800 € plus les frais de documents, etc. Voilà. Voilà, un dossier. Je vous précise les surfaces, 130 mètres carrés, 12 mètres carrés, enfin, etc. Voilà, tous ces éléments-là sont dans la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame Mika. Oui, je voulais juste savoir pourquoi quelle va en être notre utilité à nous de récupérer cette partie-là. Juste, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, un agrandissement des voies, un aménagement particulier, voilà, juste ça. Le passage de la Via Rona, etc. Oui, il y a un certain nombre de choses prévues sur la rue du Brouhaha. Bon, vous connaissez la rue du Brouhaha comme moi, c'est une des dernières rues de la ville. Il y avait la rue du Vernon avant, mais elle a été retravaillée. Là, il reste un peu la rue de Valory encore. Et la rue du Brouhaha, là, c'est des rues un peu de faubourg, je ne sais pas comment dire ça, qui ne sont pas urbainement très, très organisées. Et donc, il y a un travail qui va être mené donc, dans les années qui viennent sur la rue du Brouhaha, comme ça a été mené sur la rue du Vernon. Ça a commencé déjà. Et effectivement, à certains moments, on a besoin de se donner de la place. Alors là, on force personne, hein, ça se fait de gré à gré, de se donner de la place pour aménager. Et notamment, donc, le long de cette rue du Brouhaha, vous savez qu'il y a une passerelle qui va être mise en place pour traverser donc, les quais d'Arves. Ensuite, on traversera une partie des terrains de la TNB et on remontera sur une partie de la rue du Brouhaha. Donc, c'est pour nous donner effectivement de la place pour organiser la rue et permettre donc le passage de la Via Rona. Notamment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.